Bonjour à tous, nous sommes mi-septembre, je suis sur un plan d'eau assez peu profond et avec l'été qu'on a eu, il y a eu beaucoup d'herbes, mais surtout le peu de clouets d'herbes dans les herbiers que je trouve, bah, ils sont recouverts d'algues affilandeuses, très désagréables à pêcher. Du coup j'ai vraiment des contraintes. Malgré ça, j'ai une technique qui m'a quand même permis de faire pas mal de touches il y a quelques semaines, et là je viens de passer 48 heures sur place et j'ai fait quand même pas mal de poissons malgré ces contraintes là qui compliquent quand même vachement la pêche. Ce que j'ai fait pour contrer ça, j'utilise des sacs solides pleins composé quasiment que de chenevis. Le chenevis que j'utilise, c'est du hemp and salmon qui ont remplacé les anciens chenevis qui étaient dans des jarres, maintenant ils sont dans des seaux et ils ne sont plus immergés dans de l'eau. Donc il y a moyen de travailler facilement avec des sacs solubles. Ce que je fais, c'est que je prends une poignée de chenevis que je mets sous mon couvercle de mon seau. Je prends une toute petite pincée de base mix, en l'occurrence comme j'utilise ou des bonhommes de neige ou des pop-up très équilibrés avec une petite plombée très légère pour que ça passe à travers les herbes. Bah, j'utilise du base mix Odyssey. Si j'avais utilisé des live systems, j'aurais mis du base mix live system. Ainsi qu'une toute petite pincée de bag mix Odyssey aussi pour laisser dans le même état d'esprit. Ce qui était vraiment important, c'est que ce soit le moins dense possible. Donc je ne mouille pas ces farines, je ne mets pas de booster, je ne mets pas de liquide, je n'utilise que le chenevis, quasiment 85 à 90%. Une pincée de chaque produit que je brasse gentiment pour assécher un tout petit peu le chenevis. Après, je peux composer mon sac soluble comme ceci. Il va pouvoir descendre tout doucement sous le fond, se poser sur les algues sans passer à travers, il va fondre, ça va donner une tache jolie de nourriture. Et comme où le bonhomme de neige est extrêmement équilibré, vraiment il ne faut pas qu'il coule du tout, il faut qu'il reste au-dessus des algues, ou alors avec une pop-up, avec une plombée très légère, pour le même principe, pour pas que ça s'enfonce dans l'herbier, enfin dans les algues et que ça soit inopérant. Je dis ça comme ça. Et en mélangeant correctement mon chenevis avec des farines sèches, j'obtiens de 1 un sac soluble qui est solide, qui tient, là ça fait quelques heures que je l'ai fait, et ça bouge pas, c'est vraiment efficace. Et puis surtout, la densité est vraiment très moindre, quoi. J'ai essayé déjà pour d'autres raisons, sur de la vase ou pour dans d'autres conditions, avec du hot hemp, avec le hemp en belachan. Et j'ai rien, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment un produit très efficace, dans le sens où d'habitude, le chenevis, quand je mélange avec des farines, il s'assèche. Surtout si je fais du stick mix à l'avance, il s'assèche et les grains flottent. Là, comme ils ne sont pas immergés dans du liquide et qu'ils sont stabilisés, si on veut, dans ce seau et qu'il n'y a pas de liquide, c'est pratique. On sort une poignée, on met une poignée de farine, une poignée de bag mix, on brasse le tout, on fait sans sac soluble et ça pêche, quoi. C'est vraiment très efficace. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. J'ai fait pas mal de touches et c'était bien agréable. Donc un bon petit truc pour essayer de pêcher dans les algues ou dans les herbes, il n'y a pas que le chaud de lick, quoi.